C'est pas mon problème. Donne-moi une bouteille de jus. Non, Amy, elle me donne pas une bouteille de jus, je donne pas mon jus. Elle a confisqué ton jus, genre. Moi, je prends ton téléphone. Du coup, je rencontre avec Ella, qui ne veut pas que je la filme. Exactement. Bref, du coup, là, on va au carré pour. D'abord, elle va faire un truc à free. Elle va changer son abonnement pour pas pouvoir payer quand on sera en Espagne, c'est ça? C'est pour ça. Ah oui, parce qu'elle va au Portugal. Et ensuite, on va s'acheter. Donc là, on a un normal. Ça fait 5 minutes que là, elle fait tout s'arrêter. Elle regarde de la mer. Elle regarde n'importe quoi. C'est quoi ça, là? Pour le voyage, mais ça va faire... En plus, je vous jure qu'elle fait que des arrêts, elle va rien prendre. Elle va rien prendre, elle regarde. À part ça, c'est un truc pour les cheveux, du coup. J'ai acheté ce mini dentifrice. Et c'est trop bon, putain. Donc, on va faire que 7 jours. Je voyais pas l'utilité d'en prendre un grand. Un mini bain de bouche, 95 ml. Ça, c'est pour mon voyage. Enfin, ouais, ça, c'est pour les voyages. Et ça, c'est pour mon bien personnel. Et moi, moi, c'est... moi. El mejor agua del mundo, c'est trop bon. C'est vraiment la meilleure eau du monde, elle est trop bonne. C'est à quoi? C'est il y a des comment on dit? Comment on dit? L'eau gazeuse? Non, quand c'est aromatisé, voilà. À quoi? À la myrtille. Moi j'ai acheté une là quand je ferai des petites boucles sur mes cheveux. Donc une mini 75 ml, sinon ils vont me saouler. Vite, faut que je me dépêche. J'ai acheté un après-shampoing parce que j'en ai pas, c'est un après-shampoing démêlant et nourrissant. Vu qu'avec l'eau, mes cheveux ils vont s'abîmer. Ensuite, j'ai acheté deux petits dentifrices parce que deux voyages. Et j'ai acheté un petit bain de bouche. Voilà, très très faible, très fatigué. Et j'ai acheté aussi des chewing-gums. Et tout ça, devinez, ça m'a coûté combien? La maudite somme de 10 balles. Alors que moi, ce que j'ai acheté, ça m'a fait 3 euros. Je sais pas ce qu'elle a acheté en plus. Ah, mais t'as pris le sac. Et c'est combien ça? Bah, le sac, c'est payant. Ouais, mais c'est pas 1000 balles non plus. Parce que je sais mais je vais les taper. Les hein. petits, je crois, c'est 15 centimes. Et ça, c'est combien ça? Je sais pas. Je vais les défoncer, il a fait exprès de me mettre un grand sac. Non, mais j'ai niqué. Ah, là, je suis une âme aussi. Comme ça, quand tu auras l'atterrissage, je vais mâcher les chewing-gums. J'ai jamais pris l'avion en fait, c'est pour ça. Je sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais pris l'avion. De toute façon, on sera même pas à côté. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Si l'avion, il fait un truc, la vie, je m'accroche à la personne qui est à côté de moi. T'imagines, je suis à côté d'un bébé. Moi, si c'est un inconnu à côté de moi, je m'en fous. Hein. Je m'accroche à lui si l'avion, il fait une phase. Bon, on va démarrer parce que... Ouais, du coup, là, on va aller chercher des claquettes, des petites claquettes. Mais moi, fallait que je retire, en fait. Je retire où, là? Ah, mais t'aurais dû retirer d'un carton. Chiant. Ouais, mais dis pas que t'es chiant, en fait. Regardez ça. Cette paire, c'est un fait des lustres que je la cherchais, j'ai trouvé. Et là, elle hésite entre les deux. Entre celle-là et celle-là. Moi, je vais faire celle-là, genre, elles sont plus... Enfin, en fait, j'aime bien ce caleçon. T'as dit quoi? À la base, c'était dans l'optique de prendre deux paires, mais j'ai pas trouvé la paire que je voulais. Mais c'est pas grave, une sur deux, c'est déjà bien. Du coup, on est à Action, on regarde ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'il y a des batteries externes? Un jour, on a acheté ça, mais je vous ai pas montré. Genre, c'est grave pratique, prenez ça. Les Primark, ils sont mieux. Ouais, c'est Primark, j'avoue, ils sont mieux. 100 ml, ou pas ça? Non, ils ont l'air plus petits. Ouais. Mais vous pouvez venir en trouver Action à Primark. Du coup, là, on va trouver Action, j'ai positionné faire ce qu'on a vu. J'ai pris une batterie externe. Très important, un trépied qui fait perche à sa fille, voilà, une brosse à dents, et parce que je voulais pas utiliser la brosse à dents de chez moi, genre, que j'utilise tous les jours, et des gâteaux, mais ça n'a rien à voir avec le voyage. À moi. Alors moi j'ai pris une batterie externe pour le voyage, de la cire hyper méga collante fixante, genre, une brosse à dents. J'ai trouvé cette pépite. Vous voyez les trucs Skims, la marque de Kim Kardashian là. J'en voulais trop un, c'est ça, regardez. J'aime trop, genre tu me dis. C'est des body gains, voilà, c'est des body trop trop beaux, j'aime trop. Et je l'ai trouvé, je voulais le commander sur Shein, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, ça, un petit foulard noir. Il n'y a pas. T'as pas montré tes claquettes, elles sont où? Dans mon sac. Mais après, ouais, au pire, autant les montrer maintenant. Mes claquettes, elles sont nickel. Ouais, au final, elle a pris celle-là, elles sont trop belles. Elles sont nickel chrome, trop trop belles, très faibles, très fatiguées, on en a marre. Et moi j'ai pris celle-là. Et ensuite j'ai la serviette de bain, mais elle cache mon visage, du coup je peux pas vous la montrer, mais elle est super méga grande et elle coûte 10 balles à Action. Ouais, ah oui, les claquettes, ça, elles m'ont coûté 15 euros. Et moi 13. Donc voilà.
Du coup, il nous reste quoi acheter là? Regardez sur la fiche. Voilà. Je dois relever ma caméra pour être au soleil. Bref, aujourd'hui, ce que je vais faire, là, je vais rejoindre ma copine Anaïs. On va aller sur Paris parce qu'on doit s'acheter des boucles d'oreilles. Ensuite, on doit aller à Belle Épine. En Primark de Belle Épine, mais après, on ira dans un magasin. On verra ce qu'il a acheté. Et... Du coup, à toi là. Non, j'aime pas les baskets. Du coup, bah, je me promène en Crocs ce soir. Crocs. Basket. On est avec Anaïs. Elle veut pas se montrer parce qu'elle a un masque. Du coup, je recommence cette séquence pour la énième fois. Coucou les gars. J'ai commencé à Anaïs en fait. Dépendant de la star. On s'en fiche. Ouais, j'arrête. Du coup, là en fait, on va faire un vlog parce que on prépare nos vacances. Il nous manque. Enfin, moi plutôt. Ouais. Toujours la dernière à tout faire. Vraiment. Ouais, franchement, je suis meuf de dernière minute. C'est la base. Je suis désolée, c'est la base. Du coup, là, on va dans un magasin. Une boucle d'oreille. Parce que j'ai besoin de nouvelles boucles d'oreilles. Je vais me percer en fait, encore. Troisième trou. Et après, on va aller m'acheter un maillot de bain et quelques habits. Parce que j'ai envie de racheter des habits en fait. On va vlogger tout ça. Restez branchés. Abonnez-vous. Activez la cloche. C'est bon là, wesh. Oui. Franchement, j'en prends quand même deux grosses. Hein? Du coup, Anaïs s'est pris des boucles d'oreilles, mais moi je me suis rien prise. J'ai pas trouvé mon bonheur. En plus, je voulais me prendre des bagues, j'ai pas trouvé. C'était pas ouf, hein. Ouais. Ah, puis j'ai acheté parce que je suis pas venue pour rien, genre. Mais en plus, qu'on a vu sur TikTok, la vie, le système de comment elle a expliqué, c'est pas le même en fait. Bah, t'as pas, attends, je trouve que mets un commentaire là. Donc là, nous sommes à Belle Épine, on va à Primark. Et voilà, c'est tout. Ça fait même pas 10 minutes. On est arrivé, on est fatigué. Non, pour ma part, c'est la première fois que je viens à ce Primark là. Et vu que je connais pas où sont placés les habits, bah. Ça, voilà, ça me fait mal à la tête. Elle est. Ah, je suis dépassée. Ouais. Ça se voit, ma grande. Je trouve rien en fait. Bah, le bas, y a pas. Short, y a pas. Des hauts, ouais, je veux des hauts. Bah, à la base, j'ai cherché des pyjamas. Bon, bref. Donc là, on a fait le tour. Anaïs, t'en penses quoi du. Franchement, je pensais que c'était bien. On m'a dit, ouais. J'étais venue une fois, j'avais bien aimé, mais là, j'aime pas. Si j'aime pas, c'est pas. Alors que la meuf, dites-vous, nous, on est partis au Primark de l'Agora. Elle nous a taillé, elle a dit, ouais, le Primark de l'Agora, il est nul, alors que j'ai trouvé plus de choses qu'ici. Ben, l'Agora, c'est. Tais-toi. Tu te tais. Par contre, il y a beaucoup de valises. C'est bien. Ah, il y a des pinceaux aussi. Petit tour à H&M. Venez vous regarder ce qu'il y a. Il est grand celui-là. On sera du taille. On est trop KO. En fait, demain. Donc, tu peux nous dire, on est dans quel restaurant là? Du coup, on a Old World Way. Ok. Belle Épine. Ce restaurant, c'est de la moula, les gars. Allez-y. Demain, la taille va vous dire. Mais moi, j'ai pris des chips avec. Bah, c'est des chips en forme de. Non, c'est des frites en forme de chips. Enfin, bref, vous m'avez compris. Anaïs, elle a pris un burger. Je sais pas, je crois que c'est bacon, œuf, je sais pas. Avec des frites et des salades. Et voilà. Bon appétit. Merci. Donc là, après avoir effectué nos petits achats et après avoir bien mangé, bah. Et ouais, on va se retrouver pour un autre vlog. En vacances, rendez-vous en vacances, les gars. Rendez-vous en vacances, s'il vous plaît, merci. On se retrouve un autre jour. Donc là, je suis avec Ella qui veut enfin montrer sa tête. Oui. Du coup, là, on va dans le 9-4, je vais faire mes cils et mes sourcils. Donc, t'as un truc à dire? Tout à l'heure, on galère à trouver de chemin parce que mon GPS me dit n'importe quoi. On n'a pas trouvé, c'est ouais. 33 degrés, c'est fort. Voilà, c'est mes intentions. J'aime beaucoup, en plus, ça a grave vite. J'ai pas fait mes sourcils. Je les ferai demain matin. Enfin, il y a la mer, j'ai pas confiance, enfin, je sais pas. Ouais, mais un jour, ils l'ont raté. Je recommence. Donc là, je sens commercial parce que là, ça achète 2-3 petits trucs encore.
Il fait hyper chaud. Là, je vais à la gare du coup pour faire mes sourcils et le reste, acheter le reste de mes mèches. Parce que vu que je viens faire des locks, bah, je dois acheter deux types de mèches. Et là, je vais acheter l'autre parce que hier, on n'avait plus. Et moi, je suis une grosse chaussette. En mode, tout ce qui touche autour de mes yeux, que ce soit cils ou sourcils, paupières, cernes, tout ce que tu vas toucher autour de mes yeux, je vais pleurer. Et moi, genre, je pleure à grosses larmes. Genre, ce sera pas des petits pleurs en mode que des larmes. Genre, je pleure comme si on m'avait frappé. C'est insupportable. Je n'aime pas bien montrer mes sourcils. Du coup, voilà. Elle les a tellement bien épilés. Surtout que moi, j'ai des sourcils grave difficiles à manipuler, si je peux dire. Et voilà. Aujourd'hui, je devais me coiffer et comme une conne, et ben, je me suis trompée de mèche. Du coup, ça fait là, je suis en haie, je suis en train de faire tout le 9 ans pour trouver des mèches parce que j'ai fait au moins 3 magasins de coiffure, j'ai pas trouvé. Du coup, là, je vais dans une autre ville pour trouver. Et ça commence un magasin. J'ai trouvé les mèches, hein, mais le prix, si je vous le dis, je pense qu'on va tous pleurer. Mais au calme, il m'a donné un cadeau, il m'a donné un peigne. Voilà. Mais le prix, j'ai les larmes. T'as presque payé combien, mais bon, ça va. Les larmes coulent, c'est trop. Du coup, voilà, j'ai fini de me coiffer. C'est ma cousine, elle m'a coiffée. J'aime trop. Je pense que je vais rajouter des accessoires. Et voilà. J'ai pas envie de vous montrer mon front parce que j'ai un gros front et tout. Et du coup, je me suis maquillée pour voir ça donne quoi. Ah merde. Mais vous voyez quand, par exemple, genre, je sais pas. Genre, je suis bien coiffée, j'aime trop mes cils et tout. Mais je sais pas, j'aime pas ma tête. Genre, je sais pas, j'aime pas ma tête. Moi aussi, toi, avec mon gros front, ça, mais je sais, genre, dans deux jours, ça va passer. Du coup, là, on va en direction de Paris pour que j'aille m'épiler et que je fasse une pédicure. Mais pour la pédicure, je suis pas encore sûre. Et ouais, donc on part dans 3 jours. Genre, c'est stressant parce que j'ai pas d'ongles et ça me stresse. Genre, j'aurais dû les faire bien avant, mais comme je suis une retardataire. Et mes cils sont en train de se barrer. Genre en soi non, la meuf elle a bien fait, hein. Genre c'est même pas à cause de la meuf des cils, c'est de ma faute. Parce que je pleure tout le temps, en fait la première fois que j'en fais et je pleure tout le temps des yeux. Je sais pas pourquoi, genre je sais vraiment pas. Genre je pleure tout le temps. Mais genre c'est pas des pleurs en mode parce que j'ai quelque chose, hein. Non, genre je vais être allongée, je vais pleurer. Genre il y aura un truc dans mon œil, je vais pleurer, mais pleurer à grosses larmes. Du coup je pense que c'est à cause de ça, je sais pas. Mais ça me saoule, c'est dommage. Et ouais, je donc crois que voilà. Je supporte plus les transports en commun. Je vous jure, j'étais dans le métro. Et j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse. Je me sentais pas bien et tout. En plus, j'avais chaud alors qu'il fait pas chaud. Tout à l'heure, j'ai peur de me filmer parce qu'il y a trop de gens. Mais bref, il est 15h50. Si j'en arrive à 16h. Mais je sais pas si je sonne ou pas. Imagine, elle est avec quelqu'un. On se parle. One life. J'ai failli perdre ma carte bancaire. Je suis trop bête. Bref, je viens de terminer et franchement, elle fait pas du tout mal. Je vous mettrai sur Insta. Donc, je disais, je suis avec Cincha. Nous sommes actuellement dans le 94. On va aller faire ma manucure et ma pédicure. Par contre, comment il pleut, c'est une dinguerie. Voilà. Donc là, on est dans un magasin de cheveux qui est dans notre ville. Parce que Cincha, elle est venue s'acheter... une coloration. Donne le produit. Ils ont plein de trucs. Vous avez... Elle a acheté de quoi la perruque? Vous savez, elle a acheté combien? 26 euros, les gars. Elle crié là. On n'avait même pas vu le prix, en fait. C'est ça le pire. Ils m'ont même pas dit le prix, les chiens. Sky Mubir, il partout. Donc là, on va au champ. On va acheter des serviettes de bain. Enfin, pour ma part, j'ai acheté des serviettes de plage parce que je n'ai pas acheté. Ah, bah, il est là, le bus. Et. En fait, on a plein de trucs à acheter, de toute façon, vous verrez. Tu me dis pas de me taire, en fait. Attends. Non, du gris, c'est mieux. Donc là, on a Zimane. Moi, je suis venue prendre des jogging perso. Et des serviettes, pourquoi pas. Elles sont pas mal. Elles sont pas grandes. Ah ouais? Ça va. C'est même taille que ma serviette, en vrai. À la base, on était juste venu acheter des jogging. On se retrouve avec... Du coup, on a Auchan. Il y a plein de serviettes de plage. Avec plein de prix. Tu prends celle-là? Oui. Mais franchement, je pense que charge ou là à porter, du coup, on s'est posé sur ces chats. Regardez, désolé. Ah merde, j'ai pas bien entendu. Regardez ces chatons, trop mignon. Ils sont trop choux. En plus, hier, on n'est pas parti faire maison parce qu'il pleuvait de ouf. Oh my god,
C'est une blague la pluie en fait. C'est trop choquant. En plus il y a plus d'un coup, j'ai pas compris. Du coup on a fait un petit saut à Primark, elle s'est pris ça et ça. Enfin les deux je les ai déjà, du coup j'ai pas pris. Et je me suis pris cette paire que je voulais trop. Et regardez mes ongles. Genre j'ai fait un truc basique mais j'aime bien. Donc là on va sortir de Créteil. De Créteil de. Bah oui, de Créteil Soleil. Et moi je crois que j'en ai fini avec mes achats pour les vacances. À part mon bagage à main, c'est tout ce que j'ai pas acheté. Et c'est tout. Ouais. C'est tout, j'ai fini. Et elle a même pas encore de valise. Ben c'est la pire. C'est la pire. Vraiment la pire. Donc, pardon, deux jours. En vrai, je sais même pas où je vais. Parce que de 1, il n'y a pas de bus, c'est le matin. Et mon itinéraire, il me dit n'importe quoi. Donc, je vais là où le vent me mène. Donc, on part ce soir. Je trouve que c'est. Genre, bah, ma valise, elle est faite. Tout est fait, sauf qu'il me manque mon bagage à main. Genre, un sac que je vais ramener avec moi dans l'avion. Comme ça, je mettrai mes chaussures dedans. Parce que mes chaussures, elles prennent trop de place dans ma valise. Et elles prennent trop de kilos aussi. Ensuite, il me faut quoi? Ah oui, je dois prendre une carte SD pour ma GoPro. Parce que, genre, dites-vous, ça doit faire 2 mois que j'ai acheté ma GoPro. J'ai pas acheté la carte SD, genre le truc indispensable. J'ai pas acheté, il faut que je l'achète bah, aujourd'hui. Ensuite, il me manque quoi. C'est tout. Ouais, c'est tout. Et là, je suis débordée. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre sauf ma carte SD. Je sais pas pourquoi j'oublie. Non, en fait, là, j'ai pas oublié. C'est juste, je pensais qu'il y avait la Fnac à l'Agora, mais en fait, il n'y a plus. Du coup, là, je dois repartir au carré. Et sinon, à Primark, bah, j'ai pris mon sac, j'ai pris un casque. Après, je suis partie à HM, j'ai repris un maillot de bain. Et un débardeur. Donc là je vais au carré, je prends ma carte SD et c'est tout, je crois. En fait ce qui me saoule, c'est que j'ai tellement pas l'habitude de vlogger que quand par exemple je vlog mes journées, je fais grave des pauses. Genre je me dis ouais donc là je vais faire ça et quand je suis à tel endroit je le filme même pas. Et après on passe direct à là où je parle pour dire que je vais à un autre endroit alors que non. Parce que vous, je me mets à votre place, vous devez pas trop comprendre. Mais je vais essayer de m'améliorer, vous inquiétez pas. Et là j'attends mes deux potes. Qu'on aille à un magasin à côté de chez nous. Enfin genre c'est bah, y a de tout quoi. C'est là où j'étais partie avec Ella où on a pris nos claquettes. Du coup on repart là. Ils ont failli tomber, pardon. Du coup ouais on repart là pour regarder les claquettes. Du coup là il y a les chaussures. Mais je sais pas si je me prends des talons, des claquettes à talons ou des claquettes plates. Mais tu veux quoi en fait? Du coup j'hésite, je pense que je vais juste prendre des claquettes plates parce que j'assume pas les talons, je sais même pas. J'aime trop ton jean, c'est quoi la ref? Mais Ramar t'avais tombé. C'est quoi la ref? Du coup, Amy conseillère, elle va me conseiller. En plus c'est ma banquière, c'est parfait. Tu rigoles pourquoi? Wesh, quand tu vas mal dresser, tout le monde va voir quelque chose. Finalement j'ai pris un foulard et Amy elle a pas pris de chapeau, elle a pas trouvé. D'ailleurs elle s'est pris des lunettes. Et du coup là on va faire un autre magasin. Bref, du coup au final, le foulard je l'ai même pas pris parce que sa machine elle faisait que de bugger, j'arrivais pas à payer, ça m'a saoulé. Du coup là on va à la poste parce que dinguerie, attends, elle a pas reçu sa commande pour ses vacances, du coup là on doit faire les bureaux de poste de notre ville pour voir si elle s'accommande aller quelque part. Tu me filmes là? Non, je me filme moi. Du coup ouais, bah c'est parti. Et on a quoi? On a 4 heures devant nous. C'est... Bah du coup heureusement ces colis ils sont à un bureau de poste mais le bureau de poste il est fermé en fait. Du coup c'est chaud. On sait pas si elle va demain matin et ensuite elle nous rejoint ou pas. C'est... Du coup là on est dans le deuxième magasin. On va voir ce qu'il y a et tout. Ah là il y a plus de choix. Finalement j'ai abandonné avec mon histoire de claquettes. Parce qu'en fait je cherche vraiment des claquettes genre toutes simples et tout. Mais il n'y a pas, genre, y a de gros détails et j'aime pas forcément. Donc tant pis, bah, je prendrai des claquettes quand on arrivera en Espagne, genre c'est pas grave. C'est pas priorité. Je suis au programme, j'ai pris un pyjama parce que j'ai pas de pyjama. Et je regarde les maillots de bain, même si je crois que j'en ai au moins 5 là déjà. Mais ils sont pas mal les maillots de bain ici. C'est la première fois que je rentre dans ce magasin, franchement ils vendent des trucs qui sont pas mal. J'aime beaucoup. Merci à Amy de m'avoir fait découvrir ce magasin. Finalement je prends rien, et je vous jure, plus indécise que moi. Vous mourrez, mais vraiment, enfin, je suis balance en même temps. Donc, en fait, je regarde plein de trucs. Je me dis, non, en fait, au final, je prends ça. Non, au final, je prends ça. Non, au final, je prends plus. Là, j'ai vu des piercings. Non, au final, je veux un piercing. Et au final, je le prends plus. Donc, bref, plus indécis que moi, il n'y a pas. Coucou, vous avez un truc à dire? Non, on n'en peut plus. Moi, perso, j'en peux plus. J'en ai trop marre.
Ouais. Vivement qu'on prenne le bus parce que là, on n'en peut plus. Toi, tu viens pas, toi, déjà. Du coup, on vient de retrouver Ella qui rentre du Portugal et qui se barre en Espagne. Elle n'a pas le temps, elle. Elle n'a pas notre temps. Du coup, c'était tout pour nous. Donc, on se retrouve bientôt pour du coup, le vlog des vacances. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo préparation de vacances avec nous. Et voilà, bisous.